Pourquoi Mamadou Doumbia a encore fait coup d'état à Guinée? Pourquoi? Parce que c'est pas comme Dadis. Parce qu'ils sont majoritaires. Les mangas, c'est les mêmes mangas qui sont là. Parce qu'ils sont majoritaires. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Voilà. Salut, salut à vous, bonne arrivée, bonsoir, bonjour, ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Soyez salués. Voilà, écoutez, hein. Écoutez celui qui m'appelle là, écoutez-le. Écoutez-le très bien. Je le mets sur haut-parleur, écoutez-le très bien. Oui, allô. Iris, je t'écoute. Excuse-moi, Iris, je t'écoute. Voilà, non mais ce que tu étais en train de raconter, ce que tu étais en train de raconter... Tu dis que nous, les BD, on n'a qu'à se mettre devant pour aller faire coup d'État. C'est ça? Oui, mais c'est la majorité, c'est ce qu'elle souhaite. Ouais, c'est ce qu'elle comment souhaite. Comment c'est ce que la majorité souhaite? Tu dis, on va s'apprêter, il y aura coup d'État, tout. C'est toi qui on t'a tout dit, écoutez, il ne faut pas nier. Voilà, je dis, si vous désirez qu'on t'aille n'attaque qui était dans les médias, pour prenez vos responsabilités, c'est ce que j'ai dit. Mais, tu, parce que ce que moi j'ai dit, ce que moi je n'ai pas dit, pourquoi tu mets ça dans ma bouche? Ah, parce que tu as fait un raté pour l'État. Parce que ça dit que, même si on ne parle pas quand je dis, on ne parle pas mal. Ça dit, tu es là, on dit, un coup d'État raté. Un raté qui est au Canada, on dit, non, on veut faire coup d'État a été raté. Donc, hein, tous ceux qui publient, mais on voit maintenant, c'est-à-dire que le monde est divisé, le monde est bipolaire. Ceux qui sont au côté de l'Église, là, quand on voit les activités, on connaît où ils vont. Maintenant, quand on voit les gens qui se font des affaires, quand ils parlent, on voit où ils vont, on sait où ils vont. Mais quand le pays est divisé, le monde est divisé, on sait maintenant, comme c'est grand frère. Faut pas dire ça. Si on fait pour dire qu'ils seront contents, j'étais le premier, même la fois dernière, je t'ai appelé quand le maïs de Kaja Tamara, quand avant de prendre le maïs de Kaja, qui a organisé des noms, qui l'ont chassé, qui a tapé, qui a voulu parler mal. Maintenant, comment on l'appelle, le jeune de la terroriste, il était obligé de te regarder. Après, maintenant, tu as fermé l'émission. Donc, on te suit bien, on te suit, on te suit. Quel jeune des États-Unis qui m'a recadré? Ce que. Attends, ce que. Parce que. Attends, attends. Allô, allô. 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 Oui, tu viens, tu m'accuses et puis tu dis que vous, comme toi tu as fait la guerre du Libéria, toi tu es prêt, hein, on va s'entretuer ou bien je sais pas comment, je sais pas pourquoi tu dis ça quoi, moi je me pose des questions, pourquoi tu dis ça? Je t'explique. Comment on l'appelle? Camarade Picasso dit, comment on l'appelle? Quoi, juste, il dit le 6 va devenir 9, voilà. Le 6 va devenir 9 là. C'est à ça qu'on a fait la guerre au Libéria. Ça veut dire quoi? Dans les années 90, 89, 90, 89 là, quand on partait faire les achats au bord de Poulepe, Zoé, Brouquet, là, quand on rentrait au Libéria là-bas, on faisait les achats, dans les guerriers qui étaient là-bas là, ils disent non, ils vont tuer les manigots, ils vont les chasser. Quand on rentrait en France, c'est que comme tu ne connais pas Libéria, ils disent non, ils vont chasser les poulains, ils vont prendre leur maison, tout quoi. Tu vois, non? Donc c'est les mêmes gars, ils disent non, ils vont chasser les étrangers. Bon, maintenant, quand tu chasses quelqu'un, il s'en va. C'est toi ta signification ou bien c'est la signification, c'est Damana Picasso qui t'a dit ça. Ou bien c'est toi ta signification. Qui est sur pied de guerre? Ah, nous, on n'égorge pas, hein. Nous, on ne s'est pas égorgé. Nous, on ne s'est pas égorgé, mon frère. Ouais, mais Poutine a dit qu'il va attaquer l'Ukraine. Ça fait un an qu'on devait faire la guerre. Quand on a coupé de la Russie, on a qu'à attaquer, on va faire la guerre. Ils sont devait faire la guerre. Mais la guerre, c'est la guerre. Il n'y a pas chaud. Si vous voulez la guerre, la coupe de terre, on est ici. Que moi, il vient la guerre, on vous attend. J'ai dit, vous avez pas coupé de terre, c'est parce que nous, on ne peut pas. On a la majorité, on commande, et puis t'as toujours quoi. Si tu ne veux pas bien faire, mais ne jamais faire la réalité. On vous attend. Comment on appelle? Mais franchement, c'est pas tout ça. Mais ça, c'est mon petit. On est là, on vous attend. On est là. Franchement, j'ai besoin d'être. Mais ça, on vous attend. On vous attend. On vous attend. Coup d'État. Mais coup d'État. Mais ça, pour le président. Même si ça n'est pas là. Mais pourquoi, attends, pourquoi ça vous fait peur même? Pourquoi un coup d'État vous fait peur? Il faut
terrain. C'est pas faire les publicités, faire les politiques sur le studio, on fait ça, on va sur le terrain. C'est que vous n'avez pas parlé trop, c'est fait que pour vous obliger de parler. Pourquoi vous avez peur? J'ai dit, tu me vois en uniforme, je porte mon béret, je fais ma vidéo. Pourquoi moi qui suis ici en France, toi tu as peur de ce que j'ai dit? Pourquoi tu trembles? Tu dis que tu as tué, tu sais comment on égorge les gens. Tu m'as déjà dit ça. Maintenant je te dis, allô, allô, on n'a qu'à se comprendre. Hein? Tu as vu? Tout ce que tu as dit sur moi là, moi je me suis tué, je t'ai laissé parler. Tu comprends? Je me suis tué, tout ce que tu as dit sur moi. Tu dis oui, je porte treillis en France, je porte béret, je n'ai qu'à venir sur le terrain, je suis garçon. Tu as commencé à me menacer. Pourtant, quand tu m'appelles, je te décroche. Je te décroche et je t'écoute tranquillement. Maintenant, toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Toi, tu dis que tu es en Espagne. Allô, allô, on n'a qu'à se comprendre. Allô, tu dis quoi? Voilà, quand tu m'appelles, je te décroche, même quand il sait que tu viens me parler mal, moi je te décroche quand même. Voilà. Donc si tu ne peux pas m'enlever ça, il faut m'écouter aussi. Voilà, ce que j'ai dit, c'est que toi tu dis moi je suis en France, je porte treillis et puis c'est moi qui menace. Et que de venir en Côte d'Ivoire, je vais voir, mais toi-même tu es en Espagne, tu n'es même pas en Côte d'Ivoire. Donc comment on se donne rendez-vous dans quel chacun prend son billet d'avion pour aller? Oui, je peux te répondre? Oui, je t'écoute. Voilà, d'accord. Si moi je suis ici là, quand on a fait la guerre, on a investi en Côte d'Ivoire. Donc tranquillement on est là. Et tu comprends? Donc, on observe. Voilà. Donc moi je vais chez bien. Moi j'ai la société française. J'ai quoi faire espagnol. J'ai la société ivoirienne. J'ai la société canadienne, j'ai tout. Donc moi je. Tu as nationalité? Attends. Allô? Tu as nationalité française, tu as nationalité guinéenne et nationalité espagnole. Oui. Tu as nationalité espagnole, c'est ça? Oui. Et puis quelle autre nationalité? Ivoirien? Écoute-moi, allô? Oui, je t'attends bizarre. Mais moi, j'ai fait l'école, moi, j'ai été à l'école. D'accord. Moi, sur le terrain, moi, j'ai fait l'école, c'est. Je me matricule tout, j'ai. Comment on appelle mon CP, tout ça, moi, j'ai fait l'école. Autant de télévision, regarde voilà. On va faire le CP. Tiens, moi, on peut avoir le même âge comme ça. Hein. Oui, moi aussi, j'ai fait l'école. Oui, vas-y. Moi, je suis venu ici. Allô? Oui, je t'écoute. Quand tu viens, tu traites à 5 ans, tu demandes à la gente, on peut te dire tranquillement. Donc, on est là parce que l'amour, ceux qui viennent là-bas, souvent quand j'attends, comme on l'appelle, ceux qui viennent en Europe là, c'est un truc là. Non, on vient en Europe ici pour se chercher. Moi, j'ai fait beaucoup de petits frères ici. Il y a 3 qui sont à Paris, il y a en Allemagne, partout, j'ai fait 25 personnes ici. On est là et on vient. Donc, il n'y a pas de. Donc, quand il y a quelque chose qui se t'a limité là, on parle et puis on s'en va. Donc, nous, on vient. Moi, j'ai un immeuble là-bas et je parle l'argent tranquillement. Il n'y a pas de plaisir. Ici, il n'y a pas de plaisir. Pourquoi on dit que tout le monde veut venir en Europe, c'est ici, venir en Europe. Mais là, quand la guerre finit, maintenant, tout le monde était tranquille. Quand j'ai préféré venir ici, c'est pourquoi je suis là. D'accord. Donc, toi, tu es prêt? Tu es prêt si moi, je dis. Allô? Non. Toi, tu as. Allô? Non, faisais le commerce. Toi, pas en Guinée là. Il n'y a pas extrait de naissance là-bas. Toi, je vais te dire, que nous là, toi, on est bipolaire. Ce qu'il veut te dire, toi, c'est une activité pour combattre les douleurs là. Même quand la grande déclassée, elle est mariée, ils vont changer de camp. Parce que ils sont là, les terrains là-bas aussi. Tu vois, il faut voir jamais là. Les terrains là, tout ça, c'est les maliens. Parce que quand les autres, ça va commencer là, c'est les gars qui vont attaquer. Bon, tout le monde se sera menacé. Toi, on ne va pas continuer comme ça. Comme dans le centre de la guerre, là, quand ça commence, ça ne tire pas. C'est qui va dire, moi, ils vont faire quoi? Mais Alassane même, il dit, mon jeune, mon petit, Alassane, bon, tu dis on a presque même âge, parce que si tu as regardé télévision blanc-noir, c'est qu'on a presque même âge. Ce que je veux dire, donc toi, comme toi tu dis que Alassane, si on veut faire coup d'État, manche, mais Alassane lui-même là, c'est pas coup d'État qu'il a amené là. Non, il n'a pas fait coup d'État, grand frère. Mais pourquoi vous avez menti même? Il n'a pas fait coup d'État comment? Je t'explique. Tu m'as demandé, je t'explique. Oui, je t'écoute. Allô? Oui. Oui, là, il a fait coup d'État comment? Tu me demandes. Voilà. Voilà. Attends, je vais te dire rapidement. Coup d'État. Ah, d'accord. Ok, vas-y. Je vais. Quand Mme Gbagbo est venue en Espagne ici, là, en 2006, non, il y a une seule Patricia qui l'intéressait, comment on l'appelle, qui l'intéresse là.
dit, mais Malawi voulait organiser les élections en temps. Donc, beaucoup de temps, il était, il avait le pays en main, il pouvait, comment on appelle, organiser les élections comme il ne peut pas l'organiser. Lui, il a appelé les gens, ils ont fait, ils sont partis d'abord en élection. Premier tour, après deuxième tour. Voilà. Donc, pour éviter ça, pour faire l'élection, il dit, non, les gens ne sont pas des amis. Donc, il a fait une erreur, donc vous n'avez pas le connaître. Donc, il est tombé dans le piège. Non, il est tombé dans le piège. Tu dis, il est tombé dans le piège. Non, il dit, lui-même, il voulait, non, pas piège, mais, comment on appelle, donc, il était dans l'obligation de sa conscience pour organiser les élections. Parce que, d'abord, il l'avait fait il y a 10 ans. Là, c'était insuffisant. Maintenant, lui-même, il a appelé l'ONU, c'est lui-même qui a organisé les élections. C'est lui qui était, comment on appelle, celui qui avait le pouvoir, mais, non, les autres, ils n'avaient pas le pouvoir, ils étaient cachés. Tout ça. Donc, lui-même, il a organisé. Mais une fois que tu organises les élections, bon, là, maintenant, là, donc, tu peux, là, maintenant, tu, c'est un peu difficile. Et puis, encore, venir les hommes et puis t'enlever en même temps. Non, non, non. Bon, c'est un peu différent. Parce qu'il y a une élection, ils sont partis encore, ils ont même fait le débat. Nous, tout ce qu'on a souhaité, mais si le débat, là, ça se passe bien, et puis ils se donnent la main, là, donc on était bien parti. Mais après, ce n'était pas produit, donc c'est le même cas, là. Donc, toi, tu n'as pas accepté, moi, je n'ai pas accepté. Parce qu'on en a fait, on se connaît. Donc, un responsable doit être le garant de ses intérêts. Un responsable doit savoir quand il faut agir. Un responsable prévient. Est-ce que tu comprends? Un responsable prévient. Bon, le gars, il n'a pas prévenu. Et puis encore, ils ont intervenu. Et puis encore, ce qui s'est passé au pays, on ne pouvait pas accepter aussi. Mais après, quand le pays est calme, bon, le gars, lui, il est venu, il n'y a pas, comment on appelle ça, il ne poursuit pas les gens, il ne tue pas les gens, il ne met pas les gens en prison, quoi. Ça fait que ça baisse la tension. Mais imagine-toi, si la salle, il était, comment on appelle, il dit, bon, Alassane Draman Ouattara ne met pas les gens en prison. Il ne met pas les gens en prison. Si Alassane se comportait, il dit, bon, vous avez, comment on appelle, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez, voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc, on commence à tuer les gens, règlement de compte, tata. Tu vas voir, il va avoir les voix, c'est là, mais comme ça, là, il n'agresse personne. Comment il n'agresse personne? Les gens qui sont en prison, les gens qui l'ont mis en prison, ça fait combien d'années, là? Toi, tu viens dire ici que Alassane ne met pas quelqu'un en prison. Qui a mis en prison? Aïe, regarde, attends. Allô? Une minute, je te donne un exemple rapidement. Quand Damana Adia Picasse, le secrétaire général du PPACI, partait répondre à sa convocation, il y a eu 6 jeunes qui avaient le drapeau russe. On les a attrapés, on les a jetés en prison. Quand ils ont fini le pont Alassane Draman Ouattara, là, 2 jours, là, où tes amis, tes frères, là, ça va prendre photo, là. Le pont, là. Il y a un qui a pris photo avec drapeau américain. On ne l'a pas arrêté. Voici un exemple. Un exemple? Non, je viens de te donner un exemple. Ou bien, l'autre a pris drapeau russe. On l'a arrêté à cause du drapeau russe. L'autre a pris drapeau américain. Il prend photo, il se promène dans Abidjan, il est à l'aise. Je viens. C'est ça qu'on appelle la dictature. Voilà, je viens, je dis. Tu sais pourquoi il y a tant de polémiques sur Facebook là? Tu sais pourquoi? Non. Hein? Non. Voilà. Ça, c'est la faute de la France. Depuis là, je cherche le droit de Macron. Au moins, tu reconnais que. Au moins, tu reconnais. Tu reconnais que c'est la faute à la France, mais c'est quoi le problème? Voilà, je t'explique. Moi, je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que les gens, comment ils ne peuvent pas comprendre? Un qui se va, les Français t'ont nourri, tu vis de la France. Ton nationalité française, tout. Tu critiques et toi, tu fais rien. Ça, tu vas faire ça en Russie. Donc, pour toi, attends, allô. Donc, pour toi, critiquer là, c'est un problème. Quand on critique là, c'est un problème. Moi, je sais comment ça se passe ici. Nous, on fait les débats ici. Le patron, on fait les menacer, tout. Mais tu peux faire ça en Russie, tu peux pas faire ça. Ceux qui parlent l'exemple comme la Russie. Tant que les preuves, quand les gens sont pas différents, manifestent. Si on a provoqué demain, c'est demain qui vient dans un pays organisé. Donc, il n'y a pas une loi qui est là, qui est écrite, tu peux m'envoyer pour dire non. Les gens sont obligés de l'accompagner. Mais on peut, attends, toi on te convoque, tu peux aller avec qui tu veux. On te convoque là, tu peux aller avec qui tu veux. Est-ce que c'est un problème? Mais partout dans le monde, même en France, il est dit, même en Espagne où tu te trouves là, partout on peut se promener avec drapeau de celui qu'on veut. Si je veux pas de drapeau de Russie et me promène en France, ils vont pas m'arrêter pour ça. Mais pourquoi Alassane Draman Ouattara arrête les gens? La liberté d'expression. Non, on ne parle pas de l'agent de la France. Oh, c'est faux. Tu mens. Jeune homme, tu mens. Mon frère, tu mens. Parce que on travaille.
Là où tu es en train de me parler, là, je suis au travail. Donc, ce n'est pas cadeau. Je travaille. Voilà. Donc, il ne faut pas dire, vous prenez l'argent de la France. Ce n'est pas l'argent de la France. Je travaille pour avoir mon argent. Parce qu'on connaît la personne, ça, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Donc, quand Alassane Draman Ouattara parlait en Côte d'Ivoire, là, est-ce que quelqu'un l'a arrêté? J'ai dit. Vous êtes prêts à vous égorger? Vous êtes prêts à égorger? C'est votre métier, égorger là, c'est votre travail. C'est la différence entre vous. Nous, on aime la guerre, vous aimez la guerre, vous faites la guerre. Parce que vous n'avez pas fait la guerre. Tu ne connais pas ce que l'on fait la guerre, grand frère. Ah bon? J'ai dit, quand ça fait, pas tout. Tu vois, tout le monde va disparaître. On a bien fait ici là. Pas tout, tout le monde va disparaître en même temps. Et qui va mourir? Personne ne veut mourir. Même toi-même, tu ne veux pas mourir. Est-ce que toi-même, tu veux mourir? Toi, tu veux mourir? Comment tu n'as pas peur de la mort? Tu es sûr que tu n'as pas peur de la mort? C'est drogue. Si tu as fini, quand tu finis de prendre drogue là, quand tu finis de prendre drogue, tu penses que tu es au ciel, que tu es un ange. Sinon, balle là, ça rentre. Hein? Je n'ai pas dit que ça ne rentre pas. Ah bon? Il n'a pas dit que ça ne rentre pas. Donc pourquoi tu peux dire que tu n'as pas peur de la mort? Mais vous n'avez rien foutu, c'est la France, il faut remercier Nicolas Sarkozy, c'est la France, sinon vous n'avez qu'un force. Vous avez fait quoi? Pendant 10 ans, là, vous avez foutu quoi? Rien, c'est la France qui vous a aidé. C'est force licorne, en appelant tous les autres, Togo, Bénin, tout ça là pour venir nous attaquer, sinon vous n'êtes rien. Vous n'avez même pas de force. Même coup de poing là, j'ai dit, mon ami, coup de poing là, j'ai dit, toi-même qui parles là, coup de poing là, coup de poing, il te fait dormir. Coup de poing, voilà. Je te dis, je te fais dormir. Coup de poing. Oui, je te dis. Si c'est pas drogue, si c'est pas drogue qui vous donne pouvoir, c'est à cause de drogue, vous pensez que vous êtes garçon. Ah, d'accord. Moi, j'ai grandi à Bobo. Hein. Je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo. Donc, ce que tu racontes là, c'est bloc. J'ai dit, c'est bloc. Mais attends, ceux même qui sont en Côte d'Ivoire là, vous avez fait quoi? Il y a déjà des gens en Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi? Est-ce que c'est moi je ne suis pas Rambo? Il y a déjà d'autres qui sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne leur faites rien? Et puis c'est moi qui cherche. C'est moi, ma chair là est trop douce pour vous quoi. Ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Oui. Bon. D'accord. Ce que je vais te dire. Attends, avant de te laisser. Allô? Avant de te laisser. Allô? 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 Moi, j'ai même pas besoin de te voir. J'ai dit, j'ai pas besoin de te voir. Moi, mais pourquoi il fait mes vidéos? Je fais mes vidéos, j'ai pas besoin de voir quelqu'un. Je suis prêt. Moralement, physiquement, psychologiquement, je suis prêt. Donc, je sais pas de quoi tu parles. Greg, est-ce que tu m'as vu? Viens te voir, ça, et puis t'as changé quoi? Si tu veux, faut être un bâtiment. Si tu veux, faut avoir tous tes muscles dans ta tête. Je descends en Côte d'Ivoire, j'arrive là-bas bientôt. J'arrive là bientôt, mais ce que je veux dire, mon petit, attends, avant, je vais te laisser parler, je suis au travail. Tu dis quoi? Je dis, c'est ce que moi je souhaite là, ça, la fin de l'année, ceux qui sont en tête tout tellement, ils parlent avec le père, les âges cassés, ils ont commencé à parler bien, mais on a fait quoi? Le cavalier, en plein temps, on voulait même assassiner, c'était bien foutu. Le bébé, il est venu, il a pris le bateau de. Ah, vous avez voulu assassiner Blé Boudé? Dans le moment là, parce que quand tu veux parler à quelqu'un là, c'est que tu n'as pas pris de vie là, une fois
là, donc tu ne peux plus revenir. D'accord. Dans le moment, dans le show, je dis, au moment la guerre était sur la zone, peut-être plus petit là, là, il était partant. Mais il a réussi à se. Il était partant où? Il était partant où? Vous étiez prêt à le tuer, quoi? Vous étiez prêt à le tuer? Allô? Oui, vous étiez prêt à le tuer? Donc maintenant, comme il parle bien avec vous, et son oncle est là-bas. Non. Il dit qu'il n'a pas compris là, c'est la guerre. On a dit, voilà, c'est le pays qui s'était à la paix. On dit l'Africain, il se fait des victimes. Tu vois, non? On a dit le Japon ici, l'Amérique a mis des bombes là-bas, mais maintenant, attends, ils sont des amis. On a vu la France, l'Allemagne là. Ils sont des amis. J'ai dit, au moment la guerre était sur la si on prenait deux coups, ils n'avaient pas de chance. Comme ce qu'ils ont fait à Bago là. Il a dit ne me tuez pas, ils l'ont pas tué. Ils l'ont ramené, ils disent non, on ne te dit pas, on est venu pour qu'on négocie tout. Si on pouvait le tuer là-bas, il n'y avait pas de problème. C'est que les rébellions là, ceux qui prennent pas une rébellion, c'est fini, hein. Exécution après réclamation. Comme tu es militaire, on a fait formation. Exécution après réclamation, il n'y a rien, hein. On te prend RAE, rien à signaler. Non, il n'y a rien. Non, il a eu la chance là-bas. Voilà, d'accord. Il n'est pas comme si moi je voulais l'assassiner, non. Si on le prenait dans le coffre comme ça, il était partant. Mais comme il a réussi à se sauver, maintenant il est venu, mais on dit la paix. Donc tout le monde, le président a pris l'engagement, et les KKP, tout le monde a pris l'engagement, tout. Même toi-même là, tu suis contacté, comment on l'appelle, KKP, tout de suite là, vous parlez, tu mets ma tête à Abidjan, il n'y a même pas de problème. Moi, c'est pas mon retour à Abidjan là. Mon retour à Abidjan, ce n'est pas KKB ni qui que ce soit. Je vais revenir à Abidjan de toute façon. Mais faut pas avoir peur. C'est ce que je veux te dire, mon petit. Faut pas avoir peur. Hein? Faut pas avoir peur. Alassane Draman Ouattara, là, il va tomber de toute façon. Faut pas avoir peur. Hein? Et puis les Maliens, comme tu dis, les Maliens ils vont se lever contre nous parce qu'ils ont l'air bien là-bas. Les Maliens vont pas se lever contre nous. C'est contre Alassane Draman Ouattara, ils vont se lever. Ils vont se lever contre Draman. Ils vont se lever contre Draman. C'est ce qu'il dit. C'est ce que toi tu penses. C'est ce que dans ta tête. Mais c'est ce que je sais. C'est ce que je sais. Il n'y a pas un Malien qui est prêt pour Ouattara aujourd'hui. Pourquoi vous n'engagez pas? Pourquoi on n'engage pas? Le président. Tu sais ce que. Attends, je te dis quelque chose. Attends. Je vais te répondre. Tu dis non, après les élections. Donc, il veut voir d'abord les élections. S'il y a beaucoup de mairies, après maintenant, il va venir à dire. Mais on connaît le plan. Non, vous connaissez le plan, mais le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose. L'adversaire, là, il dit, attends, écoute-moi. L'adversaire, attends, c'est pas l'adversaire qui programme, hein, c'est pas l'adversaire qui programme ce que toi tu dois faire. Toi, on t'a craché dessus, on t'a insulté. La riposte, là, c'est pas l'adversaire qui calcule, qui dit non, faut riposter maintenant, non. Quand toi tu vas riposter là, c'est pas à l'adversaire de définir le plan. C'est à toi de choisir ton moment. Voilà. Comme les Maliens ne vont pas nous supporter là. Maintenant, pourquoi vous n'engagez pas maintenant? Mais c'est vous qui êtes pressé. Moi, je veux la guerre maintenant. À toi, tu veux la guerre maintenant. Ah, bien fait. Mais finissez pour Niger là. Draman n'a qu'à finir pour Niger là d'abord. Il n'a qu'à finir pour Niger là. Non, mais Niger là. Non, ça c'est pas guerre ça. Si, mais ça, c'est pas. Non, parce que moi, je ne comprends pas l'Afrique, là. Tu vois, là, vous voyez les Africains. Tu vois, là, quand Gbagbo était au pouvoir, là, c'est Manu Toumani, là, qui ont pris le loi, là, contre la Côte d'Ivoire, contre Gbagbo, là. Ça dit que moi, je ne comprends pas l'Afrique. Bon, toujours, on accuse la France. On accuse les Occidentaux. Nous, on s'est assis. On a mis nos organisations sur place. Maintenant, quelqu'un, il est discipliné. Deux, trois. Et puis, encore, on accuse d'autres personnes. Mais comment on va évoluer? Moi, je ne comprends pas ça. Au bout d'un Mali, là, c'est un père fondateur. Burkina, là, c'est un peu fort. Ils sont là. Non, on a fait une organisation quand même pour qu'on aille. Mais là, si on veut des dépasser des Occidentaux, là, si on veut comprendre, ah, vraiment, c'est une organisation, on a parlé, c'est que vous avez fait, c'est pas bon, donc on va. Au fur et à mesure, on va un peu. Bon. Mais, quelqu'un, lui, allô? Il prend, lui, désobéit. Mais là, il y a deux cas. On va jamais évoluer, petit grand frère. D'accord. Je vais te laisser, avant de te laisser, il faut que tu dises que j'étais en direct. Oui. Donc, je t'ai laissé parler. Oui, je sais que tu es prêt, non? Si tu veux là, ce que je veux là, alors? Ouais, je t'écoute. Toi, je veux. Voilà, toi, c'est Miko là qui a en Allemagne là, je veux son numéro. Et puis qui est encore là? Il sait pas, il y a un qui est aux États-Unis là. C'est mon numéro, moi je cherche. Moi je n'ai pas peur de ça. Mais tu as mon numéro? C'est toi qui m'as appelé, non? Je vais te dire encore une fois, il n'y a pas pour les cas parce qu'on est au pouvoir. Mais c'est pourquoi on a majorité, on est au pouvoir. Donc si vous êtes prêté, qui a la salle des cas dégagés? Prenez-moi en responsabilité, rentrez là-bas, et puis maintenant on va s'affronter, et puis on va se tuer, il n'y a pas de problème, c'est ce que j'ai dit. Et puis vous allez vous tuer. D'accord, il n'y a pas de souci, le message est bien reçu. Je dis,
là. Moi, j'ai dit, monsieur, bah, lui-même, c'est lui-même mort. Est-ce que moi-même, vous parlez, moi, mon maman est malienne. Peut-être que tu vas m'apprendre quoi. Ah, ta maman est malienne. Ta maman est malienne. Tu es espagnol, tu es guinéen, tu es ivoirien, et puis tu es malien, ta maman est malienne. Ta maman est ménagée, tu peux même pas comprendre. Alors, ta mère n'a pas donné à ce que les gens qui ont parcouru la série, on dit c'est un malien. Ta maman est ménagée, tu peux même pas comprendre. Et tu comprends ce qu'il veut te dire? D'accord. Ta maman est ménagée là. Je ne parle pas de mélange, j'ai dit, je parle de toi. Il faut laisser Gbagbo où il est là. Le président Laurent Gbagbo là. Le président Laurent Gbagbo. Un faux pas là en Guinée là. Un faux pas là en Mali. Un faux pas là en Côte d'Ivoire. Mais où est la différence? Comment ça tu peux faire la différence? Un faux pas là en Guinée, un faux pas là au Mali, un faux pas là en Côte d'Ivoire. Comment je peux faire la différence? Oui. Voilà, c'est ça là. C'est pour cela que Alassane Draman Ouattara avait mis 4 de ces jours là. Et quand le policier demande à un faux pas là, si tu es de la Guinée, il se fâche qu'on est xénophobe. Pourtant, toi-même, tu viens d'affirmer que Fofana au Mali, Fofana en Guinée, Fofana chose en Côte d'Ivoire. Ça fait 3 Fofana dans 3 pays différents. Non. Comment on peut savoir, non, si on vérifie la pièce d'identité, comment on peut savoir qu'il est de Côte d'Ivoire? Donc, quand on lui pose la question, pourquoi ça vous énerve? Pourquoi vous dites qu'on est xénophobe? Je t'explique maintenant. Je t'explique. Tu vois, non? Les panafricains, là, quand vous parlez, là, on vous écoute. On dit non, c'est les mêmes pays, c'est les blancs qui sont venus utiliser. Voilà, c'est la même. Moi, je te demande, moi, je te pose la question. Comment tu peux savoir un Guinéen, un Malien, tout. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même famille, là. Donc, tu ne peux pas comprendre. C'est la même chose. Donc, je te dis, il faut faire là. Ils sont mélangés. Donc, tu ne peux pas faire la différence. C'est la même chose, là. Il y a Ouattara au Burkina, il y a Ouattara en Côte d'Ivoire, il y a Ouattara, comme on appelle, au Mali. Donc, toi, un bêté, tu ne peux pas comprendre ça. Ah, je ne peux pas comprendre. C'est ce que je te dis, là. Donc, actuellement, on dit là, c'est la même chose, ouais, c'est la même sous-région, même les rois et secours, ils ont dit la fin de l'ordre que Gbagbo c'est l'un de l'autre, ou un autre d'un je vous dis que Gbagbo il est malien. C'est ce qu'il a voulu dire. D'accord, les Burkinabés et les Maliens, désormais, ne vont plus soutenir Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est fini. Mais directement, ça ne me ferait pas. Non. Moi, je vous dis, pour faire coup d'état, là, il faut que nous on décide. Je te répète, pourquoi on ne sait pas. Mais est-ce que c'est moi qui ai dit que vous faites coup d'État? C'est un gars de RHDP qui a fait vidéo que j'ai repris. C'est un gars du RHDP qui a dit que Alassane Draman Ouattara a échappé à 2 coups d'État. C'est pour ça que j'ai répété, c'est tout. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Ah, j'étais content. J'étais content. Et vous, ça vous fait peur quand je suis content. Mais c'est normal qu'il soit content. Je suis content parce que Alassane Draman Ouattara a fait coup d'État pour être là où il est là. Donc quand on dit on veut faire coup d'État, les gens disent qu'ils veulent faire leur coup d'État, ou bien il a échappé, ou bien passé. Ça me fait rire. Aujourd'hui, faut demander, il dit, mon ami, faut faire un sondage. Mon frère, allô, faut faire un sondage. Essaye de faire un sondage, tu vas voir. Faut demander à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voulez coup d'État sur Ouattara? Tu vas voir. Le oui va l'apporter. Ouattara a peur. Ah, vous parlez d'élection, Bernard. Non, tu n'as pas dit on a qu'à essayer coup d'État. Donc on parle de coup d'État, Bernard, tu parles d'élection. Faut pas parler d'élection, hein. Essayons coup d'État, là. Essayons, on va demander aux gens. On va demander aux gens, aux Ivoiriens. Est-ce que vous voulez coup d'État sur Ouattara? Tu vas voir combien la télévision RTI n'a qu'à essayer ça. Tu vas voir. On a qu'à dire anonyme parce qu'ils ont peur. Voilà. Donc on a qu'à se cacher. Ils n'ont qu'à dire, rentrons, allons-y voter. Allons-y faire vote. Référendum. Est-ce que vous voulez coup d'État? Donc les gens n'ont qu'à fermer. Ils n'ont qu'à rentrer dans les urnes pour voter. Tu vas voir. Ils vont voter. Oui. Tout le monde veut oui. Bon, allez. Moi, je vais te laisser. Hein? Je continue mon direct. Faut aller. Viens sur mon direct. Viens sur mon direct. Viens sur mon live. D'accord. Viens sur mon live. Parce qu'il y a un sujet important. Je veux parler de Bitogo. Bitogo.
on vient de me donner une information et c'est urgent. Donc, vas-y, viens sur le truc. Parce que vous avez décidé de nous attaquer, donc on vient de me donner l'information. Non, faut pas rester en Espagne comme moi. Moi, je suis en France. Toi, tu es en Espagne et puis tu dis on va vous déboîter. Rentre en Espagne et rentre en Côte d'Ivoire. Toi et toi-même, faut rentrer d'abord. Je te suis. Oui, mais pourquoi tu restes pas là-bas? Faut rester et puis tu m'attends. Actuellement, il y a Bangma là-bas. Faut rester là-bas. Mais moi aussi, il y a papier, mais seulement je ne veux pas partir, c'est tout. Pourquoi est parti, t'as laissé en France là? Il est venu se soigner de rentrer. Il faut rentrer là au. J'arrive, faut m'attendre. Attendez-moi là-bas, j'arrive. Écoute-moi, grand frère. Moi, t'as pas ce qu'il doit faire. Il faut dire à Gbagbo, il n'a pas négocié, tu n'as pas rentré. Là, maintenant, il t'en. Mais Gbagbo est déjà là-bas? Ou bien tu parles de qui? Je viens. Le gars de PPAC, il a comment on appelle ça? Qui ça? Son Jean là, comment? Stéphane Kipré? Lui, il est derrière ton nom, il est là-bas. Ouais, on dit quoi, c'est même pas bon, ça m'intéresse même pas. Son Jean Gattama, il est là-bas, il parle bien, il est dans la politique, tout. Les Gbagbo, là, ils sont là, son fils, là, ils sont sur le terrain. Oh, toi, t'es en France, là, il ne comprend même pas. Mais toi aussi, t'es en Espagne. Toi aussi, t'es en Espagne comme moi. Toi, t'es en Espagne, moi, je suis en France. Nous deux, on n'est pas en Côte d'Ivoire, donc on parle de quoi? Oui, mais faut pas faire vacances. Actuellement, Ouattara est en train de recruter les gens. Tu dis, toi, tu as tué, quand tu étais la guerre du Libéria, toi, tu as tué là-bas. C'est ce que tu m'as dit au début. Donc, si tu as tué, c'est que tu connais la guerre. Pourquoi Ouattara est en train de recruter les BT pour aller faire la guerre? Et toi, tu es encore. Ton nom là-même, c'est quoi même? Tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Il y a quelle urgence? J'ai dit ils sont en train de recruter, comme toi tu as fait la guerre. Ils sont en train de recruter pour aller au Niger. Allô, on ne se comprend pas, hein? Allô. Est-ce que tu m'entends même? Tu dis à quelle urgence? Maintenant je te réponds. Ou être en train de recruter pour aller au Niger, pour attaquer le Niger. Toi, tu as fait la guerre, tu as tué des Libériens. Pourquoi tu ne vas pas actuellement là pour te faire recruter? C'est pas vrai. J'ai dit, allô? Je suis là, hein? Je t'écoute. On t'écoute. Voilà, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a fait là? Moi, j'ai eu l'argent. On a les bâtiments. Maintenant, ceux qui sont présents actuellement là, c'est hors du pays. Mais nous, on défend le pays là, Côte d'Ivoire là. C'est quand la Côte d'Ivoire va attaquer. Niger là, ça m'intéresse pas. Moi, je suis là. Moi, j'ai pris 1 500 € mon salaire. 1 650. La guerre du Niger ne t'intéresse pas. 2 500. Bon, moi, ça me suffit ici. Aïe. Ton maison qui me rapporte 1 million et quelques. Non, il n'y a pas d'urgence. Je suis pas encore. Les gens sont en paix. Ils vont avec votre présentation. Non, tout est bien. Bon, ils sont en préparation pour les plantes. Tout. Non, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de guerre. Il y a guerre au Niger. Pourquoi tu ne vas pas t'inscrire? Oui, mais toi-même, pourquoi tu n'es pas dans le bataillon là? Question, je te pose, il faut répondre. Il y a longtemps que j'ai laissé ça. Ah, il y a longtemps que tu as laissé. Donc pourquoi tu dis maintenant? Pourquoi tu dis que si à coup d'État, toi tu vas partir? Pourquoi toi tu dis que. Allô? Pourquoi tu dis que si à coup d'État, toi tu vas partir, tu vas aller égorger les gens? Pourquoi tu dis ça? Écoute-moi ce qu'il te dit. J'ai dit, pourquoi la guerre est rentrée au Libéria? La guerre est rentrée au Libéria pour vos propos là. Le 6 va devenir 9 là. Parce qu'on était en bas, à CKP là, ça le connaît là. Les Yakouba, qu'est-ce qu'ils nous disaient là-bas? Ils disent non, les Manigo là, les Doula là, on va les chasser, on va prendre leur maison. Ça c'était leur slogan. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? On n'a pas suivi. On n'a pas fait la guerre parce qu'il faut faire la guerre. Non. Il faut m'écouter très bien. Toi maintenant, ils ont commencé à assassiner dans les campements tout. Parce qu'on faisait les diamants là-bas tout. Est-ce que tu comprends? Donc Amara, le général qui nous a mis dans une mot, son papa a été assassiné en bas. Dans son rapport, il y a un petit Yakouba qui l'avait pris comme son serviteur et faisait tout. C'est lui-même qui a dit à les gens, mais ils sont partis là-bas. Maintenant, quand comment ça va venir, l'homme de l'intérieur, là, comment ça va l'époque là? En ce moment, c'était pas du tout là. Quand il est venu faire un tour. Et tu comprends? Donc maintenant, les gens, ils sont en préparation, tu vois, non? Alors, ils sont en tour là. Maintenant, c'était leur propos ça. Donc, ils voulaient nous chasser les Doula, tout. Maintenant, ils disent non, ils ont donné tout au Doula, on doit les chasser, quand vos propos là, non, ils ont pris tout nos pays. Au Libéria aussi, on s'est chassé Doula là-bas. Doula. Oui, je t'écoute, hein. Je t'écoute. On a plus parlé de ça. Faut m'écouter. Où c'est venu là? Maintenant, c'est à
maintenant. Donc il fallait protéger nos parents, nos biens, tout, tout. Parce qu'on a la famille au Libéria, on a la famille au Mali, on a la famille en Guinée. Donc on a un peu papier. Donc, comme tu nous connais, où est bien là, on s'assoit là-bas. Ah. C'était le problème au faux Bani. Les Doula, hein. Où tu es bien, où battez là-bas. Un Doula, il vient deux. Un Doula, il y a quatre femmes. Beaucoup, maintenant, le village avance. Non, c'était ça. Non, nous, on vient. Et tu comprends. Donc, c'est là, maintenant, on est obligé maintenant d'être dans l'obligation pour faire la guerre. Au Libéria. Et tu comprends. Maintenant, pour s'imposer à toi, là, les Libéria, ils ne parlent plus de guerre maintenant. Donc, tout le monde est respecté là-bas, tout, tout, tout. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, là, depuis la Chine, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites qu'il faut, comment on appelle, il faut la révolte. Le 6 va devenir 9 là, j'ai dit d'accord. Si vous êtes en pensée comme ça là, donc vous les jeunes de West là, mettez-moi ça, vous descendez. Puis maintenant, on voit les points maintenant, on n'a pas laissé l'élection maintenant. Maintenant, on va être maintenant dans le système de guerre. 6 va devenir 9 là, ça vous fatigue. Si vous aimez la guerre, nous aimons la violence. Donc maintenant, ça tombe bien. La Russie aime la guerre, les Ukrainiens aiment la violence. Non, maintenant, ils sont là. Et même donc, c'est comme ça, on va t'affronter. C'est qui était bon. Je n'ai pas tué parce qu'il faut tuer. Non. Non, les deux, on est obligé de ce qu'on appelle, comme ce que Sylvain a dit là. Non, t'es peut-être dépassé, on ne peut pas vous voir faire des trucs comme ça, ouais. Ils sont du là, ils portent le bouton, on ne peut pas. Et puis, dans le cas protège, je vous dis, hein, il faut comme tu dis que je suis en direct là. Si dans le cas protège, je dis tout quoi, même si à chaque homme là, et puis que Kwago vient là, le système que vous avez mis en place là, ça c'était avant ça, ça c'était au 10e siècle là. Ça, non, ça n'a même pas duré un jour. Et puis, oui, non, hein, c'est fini, grand frère, vous ne pouvez pas penser à ça. Bon. Vous ne pouvez pas penser à ça même. D'accord, merci. Viens te laisser. Viens parler de Bitogo. Allô, il y a Bitogo, il y a sujet de Bitogo. On vous voit maintenant là, comment on appelle ça, on va vous localiser, on va vous faire ça. Ça, c'est du problème, ça, c'est trop facile ça. On va vous faire ça. Allez, vas-y. A plus ça. Voilà. Soyez salués, bonne arrivée. Vous êtes 1700 personnes. Mettez des cœurs, il y a urgence. Mais avant l'urgence, je voulais déjà vous démontrer quelle est la mentalité de certains RDR, RHDP, ce qu'ils ont encore dans la tête. Ils ont la peur d'abord dans le ventre. Ils ont peur de tout ce qui... Quand ils attendent coup d'État, ça commence à les effrayer. Ils ont peur. Ils tremblent. Mais nous avons des informations. Voilà, nous avons des informations. Et ça vient des... Non, si il dit, on risque de savoir d'où ça vient. Donc mettez des cœurs, il faut partager cette vidéo. Une information très capitale. Une information capitale pour Yopougon. La commune de Yopougon, dites le PPACI, informez Michel Gbagbo, informez tous les jeunes de Yopougon. Informez tous les jeunes de Yopougon. Ce message est à prendre au sérieux. Parce que l'information vient d'une personne très, très introduite. Et cette personne m'a donné ce message. C'est passé, ça a fait le tour avant d'arriver chez moi. Donc, quand je dis ça a fait le tour, ça veut dire mes réseaux. C'est passé par mes réseaux pour arriver chez moi. Il s'agit de la commune de Yopougon. Dites ça à Michel Gbagbo. Dites ça au VP Michel Gbagbo. Informez Michel Gbagbo et le PPACI. Toute la jeunesse de Yopougon doit être informée de ce message. Je ne suis pas l'inventeur, je ne suis pas celui qui a fabriqué, je ne suis pas celui qui a allé chercher ça ailleurs, je ne suis pas celui-là qui a envie de faire peur, qui veut créer la psychose. Je ne suis pas là pour ça. Si j'ai lancé le direct, c'est parce que je veux que chacun puisse partager ce direct jusqu'à ce que ça arrive à qui des droits. Il faut que Michel Gbagbo commence à poser des questions aux gens. Dites au futur maire Michel Gbagbo de demander aux jeunes de Yopougon de suivre de très près ce qui est en train de se passer. Adama Bitogo serait rentré avec des armes à Yopougon. Il se prépare au cas où il perd les élections, au cas où il perdait les élections, à massacrer le peuple de Yopougon. Ce message-là, je peux défendre ce message partout. Partout où vous allez m'amener, je vais défendre ce message-là. Parce que ça vient d'une source introduite. D'une source introduite. Voilà,
Souvent, j'aime donner mes sources. Quand mes sources me demandent de donner leur nom, je donne leur nom. Souvent, tellement aussi, j'ai envie de que vous sachiez que c'est la vérité. J'appelle mes sources ou bien je vous donne le nom ou l'information de telle sorte que on puisse faire le rapprochement. Mais là, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, Adama Bitogo à Yopougon a fait rentrer des armes. Il a fait rentrer des armes. C'est des sources sûres. Il a fait rentrer des armes à Yopougon. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur. Jeunes de Yopougon, soyez le policier de chacun. Soyez le gendarme de chacun. Dormez pas, faites attention. Je vous le dis. Maintenant, si vous voulez rigoler avec ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez plaisanter avec ça, il n'y a pas de souci. Moi, on m'a appelé pour me donner cette information et on m'a dit de vous le dire. De vous donner cette information. Donc, je vous la donne telle que reçue. Si ce n'était pas d'une source sûre, je n'allais pas parler de ça. Parce que quand il y a la campagne, il faut éviter de créer une psychose, une peur et tout. Mais je vous le dis. Bon, j'ai enlevé un mouton du RDA ici. Comme ça, on va avancer. Voilà. Oh, ce mouton-là, pourquoi il n'arrive pas à l'attraper? Attends. Voilà, je l'ai attrapé. Oh, les moutons, ils sont remplis là. Ouh là là, les moutons. Les amis, allez-y. Mettez les pouces, vous êtes 2000. Vous étiez 2400. Il faut monter le mercure. L'information est détail. Il a fait rentrer des armes. Un autre mouton que je vais enlever. Comme ça, il va aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Allez. Dégagez. Voilà. Il a fait rentrer des armes à Yopougon. Au cas où ils perdaient les élections, ils allaient utiliser ces armes-là contre la population de Yopougon. Voici l'information qui vient d'arriver. Ils sont en train de signaler le direct. Voilà. Il fait chaud. Voilà. Bon, heureusement que nous sommes au frayon. L'information est tombée. Ils sont remplis sur le direct. Ils sont remplis sur le live, les amis. Montez le mercure. Donc, voici l'information. Voilà. Eux, ils ne savaient pas qu'on allait donner l'information. Ils ne s'attendaient pas qu'on allait donner l'information. Yopougon est en danger. Cette information, prenez-la au sérieux. Parce que ceux-là, ils ne veulent pas perdre la face. Et comme vous connaissez leur habitude, voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ne pensez pas qu'il est tellement galant, il se promène. Donc, non. C'est les mêmes, n'oubliez pas. Que ce sont les mêmes qui ont commencé depuis longtemps à attaquer les gens, à envoyer des armes, notamment dans les mairies d'Abobo. Dans chaque mairie de Port-Boué 2, les trucs comme ça, ce sont eux les mêmes là qui sont là. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas vous tromper, ne vous laissez pas que quelqu'un vienne vous mentir. Attendez, j'enlève encore un autre mouton du RDR. Voilà. Donc,
Voilà ce qu'ils ont planifié pour Yopougon. Adama Bitogo, après avoir donné l'argent de gauche à droite, après avoir donné l'argent par-ci, par-là, il sait qu'il va perdre les élections. Donc ils ont décidé de faire rentrer des armes à Yopougon. Donner ça à certaines personnes, les mêmes microbes qui ont découpé les gens depuis un moment, ils ont commencé à leur donner encore des armes. Je vous donne l'information. Si vous voulez, vous la prenez. Si vous voulez écouter les messages, les commentaires, bande de cons de ces rebelles qui viennent sur mon live pour chercher à dire « t'es faux, tu mens, tu es un menteur, imbécile, chien, insultez-moi comme vous voulez. » Je vous fais bisous. Voilà, insultez-moi. Mais l'information passe. L'information, là, ça rentre dans vos Yopougon. Yopougon est en danger. Voilà. Donc, ça vous fait mal que je donne l'information. La raison, c'est que vous avez peur. Et c'est ce que je disais à celui qui a appelé là. Comment on appelle? La Côte d'Ivoire, là. Vous avez menti aux Maliens. Vous avez mis derrière vous, on a même nom, on a même prénom. On s'appelle Koulibaly, on s'appelle Yacouba, on s'appelle Fofana. Et puis, les autres vous ont suivi. Les autres vous ont suivi. Vous avez fait croire aux gens qu'on n'aimait pas les étrangers. Au finish, ils ont compris aujourd'hui qu'ils n'aiment pas les étrangers. C'est Alassane Draman Ouattara qui n'aime pas les étrangers. C'est Alassane Draman Ouattara qui veut faire mourir Assimi Goïta. C'est Alassane Draman Ouattara qui veut tuer Tiani. C'est Alassane Draman Ouattara, c'est pas seulement Tiani, parce que ce sont les, comment on appelle, les Maliens qui veulent tuer, comment on appelle, avant d'atteindre Assimi. Ce sont les Nigériens qui veulent tuer, les Burkinabés même. On dit oui, il est du Burkina Faso, il est de Sindou. Mais lui, il s'en bat les couilles. Il a envie de faire du mal aux Burkinabés à l'heure où il est là. Parce que pour lui, le petit Ibrahim Koulibaly et Ibrahim Traoré lui a tenu tête, lui a fait front. Il n'est pas content de ça. Il en boule pour ça. Il n'est pas content. Donc il faut veiller. Tout ce que je vous demande dans cette vidéo, c'est de veiller au grain. À Yopougon, veiller au grain. Laissez pas, ne les laissez pas vous avoir à l'usure, comme ils ont eu l'habitude de le faire. Ne les laissez pas vous avoir à l'usure. Ce sont des gens qui ont fait la rébellion, qui ont tué des gens par le passé, et aujourd'hui, ils veulent prendre la mairie de Yopougon, parce que c'est cette mairie-là qui les intéresse d'abord, la mairie de Yopougon. Donc ils sont en train de tout mettre en œuvre pour récupérer cette mairie. Il ne faut pas les laisser. Parce que, en fait, comme on dit que c'est le fief du président Laurent Gbagbo, eux, ça ne leur plaît pas. Il faut absolument qu'ils montrent que ce n'est pas le fief du président Laurent Gbagbo et que ce sont eux qui sont les maîtres des lieux. Ils veulent récupérer le Yopougon parce qu'ils ont déjà récupéré Abobo. Donc, ils veulent faire tout pour récupérer le Yopougon. Il faut savoir une chose. N'ayez crainte, cher ami, n'ayez plus peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Le président Laurent Gbagbo a conquis les cœurs. Regardez son discours d'hier, j'ai fait la transition sur le deuxième point de mon direct. Le premier point, c'est Bitogo à Yopougon, qui veut massacrer les jeunes parce qu'il ne veut pas perdre. Il a donné de l'argent, il a essayé de soudoyer des associations. Et comme il sait qu'il va perdre, au cas où il perd, il va attaquer. Donc, il a commencé à acheter des armes. Ils ont fait rentrer des armes à passer par Dabou. Ils sont rentrés par le côté de Dabou. Est-ce que vous comprenez? Et l'information, comme je vous dis encore une fois, ça vient des sources sûres. Il faut faire attention. J'informe dans un live, dans un direct, pour que eux-mêmes ils sachent aussi qu'on sait. Pour que eux ils sachent qu'on sait. Du moment où ils savent qu'on sait, ça va les calmer. Ils vont commencer à avoir peur. Parce qu'ils vont se dire, si je suis au courant de ça, ça veut dire que je peux dire à d'autres personnes pour aller trouver leur cachette d'armes là, où ils sont allés déposer les armes là. Je peux indiquer et puis ils vont aller chercher. Donc comme ils savent ça, ils vont venir m'insulter. Ils vont me traiter de tous les noms. Il ne faut pas les écouter. Voilà. C'est mort.
Bonne journée. Au revoir. Voilà. Vous êtes près de 2500 personnes à venir écouter le message. Il faut continuer. Voilà. Il faut continuer. Il faut continuer à partager. Il faut continuer à mettre des cœurs. Il faut continuer. Voilà, il faut continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, continuez à partager. N'oubliez pas de vous abonner, continuez à partager. Continuez à partager, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Donc, en quittant sur le point de Bitogo, j'ai fait une transition sur le point qu'a soulevé le président Laurent Gbagbo, qui est un point très, très, très important, un point qui interpelle sur les coups d'État. Un point qui interpelle sur les coups d'État. Vous comprenez? Je vais rentrer dessus. Oh, les rebelles, ils sont là, ils sont remplis comme ça. Quand j'étais sur ma page. Mais ta page, si toi-même tu es sur ma page, moi je ne suis pas allé sur ta page, toi tu cherches pas sur ma page. Les amis, le point que j'ai soulevé sur Bitogo là, il faut aller fouiller tout. Il faut faire attention. Ne vous laissez pas avoir encore une fois. Bitogo est dans une stratégie. Bitogo est dans une stratégie. Et sa stratégie, c'est de ne pas perdre Yopougon. Parce que s'il perd Yopougon, il n'a plus la confiance de Dramane Ouattara. Il n'a plus la confiance du RDR. Il sera l'ombre de lui-même. Parce que même étant, comme on appelle, il était le directeur exécutif, il était le directeur, je crois, le directeur exécutif du RDR, RHDP. Et puis, on l'a rétrogradé. On l'a enlevé en tant que directeur du RHDP, là. On l'a rétrogradé. Donc, depuis qu'on a rétrogradé, comment il s'appelle? Bitogo, maintenant, guette. Il a guetté, comme on appelle, la mairie. Mais avant ça, il a guetté la présidence de l'Assemblée nationale. S'il perd la mairie de Yopougon, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'il ne pèse rien. Ça veut dire qu'il peut rien. Ouattara Dramane ne peut pas compter sur lui. Et donc, à partir de là, c'est fini pour lui. Donc lui, il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Donc il a fait tout mettre en œuvre. Je ne vais pas être long dessus. Le message est clair, c'est passé. Ils savent qu'on sait qu'ils sont en train d'armer des jeunes à Yopougon, afin d'encore massacrer à cause de l'élection municipale. À cause de ça, là, vous allez massacrer encore des Ivoiriens et des Ivoiriennes. En tout cas, Yopougon, vous êtes prévenus. Allez-y voter massivement le camarade Michel Gbagbo. Allez-y voter massivement le camarade Michel Gbagbo. Allez-y voter massivement le camarade Michel Gbagbo. C'est après les votes là. Vous entrez tranquillement chez vous. Mais ne restez pas à la maison pour dire non, comme on a dit, qu'ils sont armés ou bien ils sont ceci. Non, 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 non. Ne lui donnez pas cette chance. Ne lui donnez pas cette chance. En restant chez vous, vous lui donnez la chance de gagner. Si vous sortez massivement comme un seul homme aussi, ils ne pourront pas vous empêcher d'aller voter votre candidat. Il faut aller voter. Attendez, il y a un mouton. Je vais expédier au ciel. Voilà. Ouh, quand j'enlève les moutons, là, ça fait trop plaisir. Ça fait ouf. Voilà. Donc, le deuxième et dernier point, il s'agit du discours du président Laurent Gbagbo. On lui a posé des questions. On va écouter juste ce discours-là, et puis je reviens. Voilà. On va écouter le discours du président, du chef. Et puis, non, mais avant d'écouter le discours du chef, voici Journal Fraternité Matin qui écrit ça. Je vous fais lire. Fraternité Matin écrit: Gbagbo, je n'ai plus envie d'être président.
Il dit, c'est le président Laurent Gbagbo qui dit ça. Gbagbo, je n'ai plus envie d'être président. Alors on va répondre à ce journal, ce torchon Fraternité Matin qui est devenu maintenant un journal partisan. Pourtant, Fraternité Matin, par le passé, hein, on était fiers de ce journal-là. Mais voici que ce journal commence à faire l'apologie de Dramane Ouattara en racontant des choses qui n'existent pas. Vous comprenez? Il faut vraiment qu'on se pose des questions avec ce journal. Voilà. Attendez, on va partir. Je vais arriver sur Fraternité Matin, tranquillement. Je vais arriver dessus. Ne vous inquiétez pas. Je vais arriver dessus. Attendez. Non. Ce n'est pas là. Je vais repartir tranquillement sur ça. Oh, c'est chiant, tu mets des trucs à part pour pouvoir regarder après, tu ne trouves pas. C'est quoi ça? Oh, la sorcellerie des gens là-même, vraiment. Tu vois ça? J'ai mis le truc ici, je ne le trouve pas. Tiens. Ouais, non. C'est pas normal. Ah oui, attendez. Ouais, je pense que j'ai trouvé un. Voilà. J'ai trouvé un. On va écouter. La situation au Niger. Écoutez le président Laurent Gbagbo. Ouais. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Il faut partager, les amis. Les coups d'État, oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? C'est ça là qui me plaît pas là. Quand tu veux, j'ai dit que ce point là, il faut que je relève ça d'abord. Quand je vais relever ce point, c'est juste mon dernier point. Il faut partager, les amis. Je sais que beaucoup en ont parlé, mais pas assez. Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? 5 ans. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. En Sierra Leone. En Guinée. Je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer,
Beaucoup d'entre eux. Écoutez. Que tu as droit à deux mandats. Pas plus. On va décortiquer. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas un coup d'État, ça? C'est pas un coup d'État, ça? C'est un coup d'État. C'est pour cela que je vais dire aux frères avec qui j'étais au téléphone au début de cette vidéo, voilà une fois encore que le président Laurent Gbagbo vous rappelle ce que c'est qu'un coup d'État. Parce que habituellement, quand on dit qu'il y a coup d'État, beaucoup regardent l'armée. Beaucoup se disent forcément c'est un coup d'État militaire. Mais le coup d'État peut se produire à n'importe quel temps et par n'importe quelle façon. Alassane Dramane Ouattara a tripatrouillé la constitution de Côte d'Ivoire pour s'habiller en chef d'État. Il a eu trois passations. Il a eu trois passages. Premier passage, le président Laurent Gbagbo, non, premier passage où il a voulu être candidat, on lui a dit qu'il était, de nationalité douteuse. Temps de Guéhi Robert. Avec le président Laurent Gbagbo, on a dû rendre Alassane Dramane Ouattara candidat exceptionnel. Écoutez-moi très bien. Le président Laurent Gbagbo, ayant consulté de gauche à droite, on a dû rendre Alassane Dramane Ouattara candidat exceptionnel. Après candidat exceptionnel, Alassane Dramane Ouattara va en 2015. C'est-à-dire en 2010, il est candidat exceptionnel, il prend les armes, il fait bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo, il fait arrêter le président Laurent Gbagbo et on amène le président Laurent Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire, à La Haye. En 2015, il est candidat dérivé. Candidature d'Alassane Dramane Ouattara, c'est ça qui porte ces noms-là. Candidat exceptionnel pour l'élection de 2010, candidat dérivé pour 2015. Après candidat dérivé en 2015, Alassane Dramane Ouattara en 2020 vient dire qu'il est candidat par force majeure. Candidat par force majeure. Parce que selon lui, il a choisi un poulain, il a choisi celui qui allait le remplacer à la tête du RDR et qui allait être le futur candidat du RDR et que celui-ci serait mort. Donc lui, Alassane Dramane Ouattara, il y a eu cas de force majeure. Donc lui, maintenant, il prend le pour, il revient continuer la campagne pour être candidat. Encore 2020, il passe. Donc, le coup d'État le plus flagrant, le coup d'État qui défraie la chronique, c'est ce qui s'est passé en 2020. Parce que là, c'est un troisième mandat qui n'avait rien à voir avec notre constitution. Ce que disait notre constitution. Alassane Dramane Ouattara a forcé le passage et il a pris le pays par la force. Par la force. Oui, par la force parce qu'il y a eu des têtes coupées. Il y a eu des emprisonnements. Il y a eu des blessés à vie. Il y a eu des hommes brûlés vivants dans leur maison. Alassane Dramane Ouattara l'a fait. Personne ne peut nier ça. Il y a eu des bacs où des gens ont pris des machettes dans Yopougon, découpé des gens, escortés par la police. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on on voit là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et là, là, il vient, oui, comme tu le dis, hein, c'est qui même qui a écrit ça? Théodore. Théodore Amand. Comme tu le dis, prochainement, il va venir dire, c'est candidat du cinquième pont. Candidat du cinquième pont. Voilà ce qu'il va venir vous donner encore pour 2025. Candidat du cinquième pont. S'il arrive même en 2025. Candidat du cinquième pont. Donc avec Alassane Dramane Ouattara, on a vécu des coups d'État en Côte d'Ivoire. On le sait, on le voit. Donc pourquoi quelqu'un
va venir dire oui, il y a trop de coups d'État dans le pays, pourquoi on fait des coups d'État? Mais lui-même, c'est un coup d'Étatiste. C'est le chef putschiste de la sous-région, jamais égalé. Le brave qui a des coups d'État, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc pourquoi ça vous fait peur? Pourquoi vous tremblez? Quand on parle de coup d'État, vous commencez à trembler. Non, tu as parlé de coup d'État? Non, on déforme mes propos, on enlève mon propos dans son contexte, on amène ça ailleurs. Moi, j'ai pris un certain Nyeba, qui est du RDP, qui a dit qu'il y a eu qu'on a un coup d'État manqué sur Alassane Draman Ouattara. J'ai juste répété ce qu'il avait dit. Sinon, ce Nyeba-là, les gens pensent que je ne sais pas qui c'est. Je sais qui c'est, Nyeba. Nyeba. Je sais qui c'est. Il a eu, comme on appelle, réfugié au Canada, là, parce qu'il a dit qu'il était pourchassé en Côte d'Ivoire par Ouattara. Anaké, sois salué. Voilà ça. C'est parce qu'il a dit qu'il était pourchassé par Ouattara qu'il allait au Canada. Il a pris une femme blanche là-bas. Et là-bas, il a assis tranquillement. C'est lui aujourd'hui qui a venu parler. Mais j'ai pris sa vidéo là parce que ça m'intéressait. Ça m'intéressait de venir vous dire. Parce que depuis que j'ai dit ça là, eux tous sont en train de trembler. Oh la vidéo là, oh la vidéo là, oh la vidéo là. La vidéo avait Yégué, la vidéo. Mais ce monsieur là c'est un RDR. Tu crois en lui. Et d'autres, oh les RDR ça leur fait peur ce que j'ai dit là. Ça leur fait peur ce que j'ai dit. Mais vous ne comprenez pas ou bien quoi? Tristan. Alani Tristan, Nyeba, c'est un menteur. Oui, je sais qu'il n'est pas crédible, Rastiras. Je sais qu'il n'est pas crédible, mais qu'est-ce que vous attendez par il est crédible ou bien il n'est pas crédible? Moi, je suis dans une guerre de communication. Vous voyez, aujourd'hui, celui que j'ai mis en début de vidéo, même si vous n'avez pas suivi, quand vous allez couper la vidéo, allez-y réécouter encore. Quand j'ai coupé cette vidéo-là, réécoutez au début. Vous allez entendre celui qui me parlait au téléphone. Celui qui me parlait au téléphone. Vous allez écouter ce qu'il dit. Il a eu peur, il tremble. Pourquoi? Parce qu'ils disent que moi j'ai dit qu'il y avait beaucoup. C'est-à-dire, ils ne disent pas que j'ai dit, Nyeba a dit. Hein. Eux tous disent que c'est moi qui dis. Donc ça veut dire qu'ils ont peur. Ils sont là, mais ils tremblent. Ils sont là, leur cœur commence à bouillonner. Mais est-ce que toi-même, Rastiras, tu es sûr que tu n'es pas content s'il y a coup d'État, si Ouattara? Quel Ivoirois, quel panafricaniste même, quel Africain aujourd'hui, tu vas lui dire, je vous assure que si jamais un militaire s'est trompé pour faire asseoir Ouattara, pour dire que j'ai pris le pouvoir d'État, je vous assure que toute l'Afrique, dans les pays, les villages même où il n'y a pas feu d'artifice, ils vont trouver feu d'artifice. Il y a des villages où on ne vend pas champagne. Ils vont trouver champagne pour péter champagne. Wallahi bilay. Wallahi bilay talay. Ils vont péter champagne. Quel homme politique aujourd'hui, quel homme qui est chef d'État? Et puis, comme par hasard, tout le monde rêve qu'il soit déposé. Tout le monde, dans le cœur de tout. C'est-à-dire, quand les gens se réveillent le matin, ils disent, il est encore là. Oh. Il est encore là. Oh. On est découragé quand il est encore là. C'est le rêve de tout Africain, tout panafricaniste. Rêve que Alassane Draman Ouattara, il dégage. Voilà, il dégage. La seule personne sur qui nous, je ne parle pas des autres, hein, la seule personne sur qui nous, en tant que PPACI, on compte, qui a décidé de passer par les urnes, pour faire tomber Alassane Draman Ouattara, parce qu'il connaît les urnes, il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est notre seul espoir aujourd'hui. Les Ivoiriens et Ivoiriennes, notre seul espoir, c'est le président Laurent Gbagbo, qui est un fin politicien et qui sait comment faire pour faire asseoir Alassane Draman Ouattara, même s'il a une armée, même s'il a des machettes, même s'il a des fusils. La seule personne qui peut le faire asseoir, qui a déjà prouvé devant Guy Robert, qui avait les fusils, qui peut faire asseoir quelqu'un, il s'appelle Laurent Gbagbo. Nous avons confiance en lui et nous le suivons pas à pas jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet des sommets. Oui,
Et cette fois-ci, dans notre combat, on n'est pas seul. Enfin, on était seul. Mais aujourd'hui, on n'est pas seul. Dans notre combat, là, nous ne sommes plus seuls. Il y a les Maliens dans notre combat. Je vous le jure et je vous l'assure. Les autres sont en train de rencontrer leur vie. Ils sont en train de rencontrer leur merde. Mais en réalité, ils ont peur. Ils ont peur parce que il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître dans le ciel. Rappelez-vous, quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, quand il est rentré en Côte d'Ivoire et qu'il est allé, je ne sais plus, mais les membres du PPACI, mes camarades du PPACI, les membres qui sont là sur ce direct, vous pourrez me rappeler, si vous vous rappelez aussi. Il a porté une chemise. Cette chemise, cette chemise en lin, ou je ne sais pas en quelle matière, mais cette chemise, où vers la poche, il y avait le soleil levant. Le soleil levant dans la poche. Est-ce que vous vous rappelez? Il y avait un bout de soleil levant dans la poche. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je n'ai pas vous bloquer maintenant, je ne vous bloque pas, donc vous pouvez m'insulter, vous pouvez raconter vos vies. Mais répondez-moi s'il vous plaît. Vous vous rappelez, si vous vous rappelez, dites oui sûrement, voilà, même si vous ne vous rappelez pas du jour ou bien de où il partait, mais si vous vous rappelez que le président Laurent Gbagbo, moi-même j'avais fait une vidéo pour montrer cette photo-là, le soleil levant dans sa poche. Vous vous rappelez? L'Afrique est en train de se lever. Le changement est en train d'arriver. Et le président Laurent Gbagbo l'avait prédit avec sa chemise où le soleil levant, ça sortait de la poche. Voilà. Anaké se rappelle. Esther Meles se rappelle. Coucou Innocent Aka se rappelle. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Michel Toyez. Toyez. Michel Toyez se rappelle. Armel Yao se rappelle. D'accord. Donc vous êtes nombreux à vous rappeler. Donc vous vous rappelez. Mais cette chemise-là, je vous ai dit que ça voulait dire quelque chose. C'est pas simple. Laurent Gbagbo n'a pas porté ça simplement comme ça. Jonathan Mao, oui, ce n'était pas simple. C'était à Zopé. Chris Dassault dit que c'était à Zopé. Est-ce que c'était à Zopé? De toutes les façons, c'était quelque part à une visite. Marc Biagou, voilà, vous vous rappelez le soleil levant. Mais nous sommes dans cette période du soleil levant. Quand il portait ça là, les autres n'étaient pas encore debout. Le président Laurent Gbagbo, chaque acte qu'il pose, il faut regarder, il faut écouter. Quand dans sa vidéo, dans son interview, le président Laurent Gbagbo dit que il faut faire attention. Ce qui se passe, on a toujours condamné. Quand il dit que, comment il s'appelle? Bazoum était mon ami. Quand il dit que Ibeka était son ami. Mais tout cela, on les a sautés. On les a enlevés. On les a enlevés du pouvoir. Ibeka même est venu jusqu'à connaître la maman de Gbagbo. Saluer la maman de Gbagbo. Saluer le papa de Gbagbo. Paix à leur âme. C'était les amis à Gbagbo. Bazoum, c'était un ami à Gbagbo. Gbagbo dit qu'il connaît là où même Bazoum habite. Sa maison au Niger, là, Gbagbo connaît là-bas. Vous comprenez? Mais ce n'est pas pour autant qu'il va dire que forcément, vous n'avez pas compris le message. Ce n'est pas parce qu'il connaît Bazoum, vu qu'il connaît chez lui, qu'il va venir dire remettez, réinstaller Bazoum. Non. Et il les a traités presque de marionnettes, comme a dit le petit Ibé. Mais comme lui, il est politique, il n'est pas comme Ibé. Ibé est militaire. Lui, Laurent Gbagbo, c'est un homme politique. Donc, les affirmations, les paroles sont calculées un peu. Voilà, il prend des gants. Il n'attaque pas comme ça frontalement. Non, non. Il prend des gants. Donc, le président Laurent Gbagbo dit, il dit que on les pistonne. On les pistonne et puis il fait ça. Toi qu'on te pistonne en te faisant comme ça. Toi qu'on te manipule. Toi qu'on te manipule. Ça veut dire que tu es une marionnette. Joël Koudou dit, c'était à Zopé. Ok, si c'était à Zopé, il n'y a pas de souci. C'est des marionnettes. Parce qu'on les manipule, on les bouge. On dit attaquer le Niger, puis ils se lèvent, ils attaquent le Niger. Est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui circule encore où des personnes sont habillées en tenue
du Niger et ils sont en train de attendre. J'espère que je n'ai pas laissé ça dans l'autre. J'ai pas laissé ça dans l'autre truc là-bas. Ah, j'ai laissé. Moi aussi. J'ai pas eu le temps de transférer ça sur mon téléphone. Voilà. C'est ça la négligence. J'ai pas eu le temps de transférer. Attends, est-ce que quelqu'un d'autre m'a pas envoyé ça? Il faut que je regarde. Voilà. Heureusement que ma chérie m'a envoyé. Je vais mettre. Vous allez voir. Je vais mettre ça. Vous voyez? Voilà. Regardez. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je vais remettre, vous allez voir ce qui se passe. Regardez. Ils les ont habillés en tenue nigérienne pour rentrer au Niger. Et qui est derrière? Encore l'armée française. Voilà. Allez. Bonne soirée, ouais. Au revoir. À demain. Voilà. Vous avez vu. Quand le portail s'ouvre, ça fait ce bruit-là. Attendez, la chaleur a commencé à rentrer. On va augmenter la clim. Voilà. On va prendre un peu de fraîcheur. Vous avez vu la vidéo? Voilà une vidéo qui démontre. C'est pour cela que Assimi Goïta, Choguel Maïga disait que nous avons des preuves. Amenez-nous à l'ONU. On va prouver, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, on va prouver par A plus B avec des vidéos, une cinquantaine de vidéos de preuves que notre espace est survolé par la force Barkhane, par les armées françaises. Ils violent notre souveraineté. Ils violent notre souveraineté. Voilà, vous venez de voir. Voilà ce que vous venez de voir. Voilà ce que vous venez de voir. Ils sont là sur le terrain. C'est pour cela que Ouattara dit, Chocho, oui, on va attaquer le Niger, on va attaquer le Niger. Il compte sur cela pour attaquer le Niger. Il n'a pas la force nécessaire pour attaquer le Niger. C'est sur ça, là, c'est sur cela qu'il compte. Parce qu'ils sont au milieu. Ce sont eux qui donnent des motos. Les mêmes motos, souvenez-vous, une vidéo dans laquelle j'avais parlé de ces motos-là. Est-ce que vous vous souvenez? Vous qui me suivez il y a longtemps, rappelez-vous, je vous avais dit que Bazoum, et comment il s'appelle, Oumaru Ambalo Sissoko, il y a eu des 4x4, des véhicules pick-up remplis de motos. Plus de combien? Chaque pick-up avait 10 motos. 10 motos par 5000 pick-up. Est-ce que vous vous rappelez? Si vous vous rappelez, mettez encore des cœurs. Il faut partager. Dites que vous vous rappelez. Parce que moi, avec moi, on apprend l'histoire, on garde l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous ai dit qu'ils ont envoyé des motos, comment on appelle, au Sénégal. Et Macky Sall ne pouvait pas les garder au Sénégal. Donc, ils les ont transférés en, comment on appelle, ils ont transféré ces pick-up, ces motos-là en pick-up, et qu'il y avait 10 dans chaque véhicule, et que l'ami Bissau-Guinéen qui nous a donné l'information dit qu'ils ont compté au moins 5000 pick-up. 5000 pick-up
Dans chaque pick-up, il y a 10 motos. Quand vous comptez, faites le point. Combien ça fait? Faites le point. Donc, quand vous voyez qu'ils sont sur des motos, c'était préparé depuis quand je vous donnais l'information qu'on ne sait pas pourquoi Amaru Sissoko Embalo recevait des motos chez lui. Les pick-up plus des motos, parce que les pick-up aussi font partie des véhicules de combat. Ils chargent sur les pick-up là, ils chargent des armes, des 12-7 et autres. Donc, c'était... J'avais dit ça. Adolphe Bill, bon manin, voilà. Lui au moins, il se rappelle. J'avais dit ça. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit ça. Donc, quand vous voyez des motos avec des hommes armés dessus, avec des tenues militaires du Niger, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ils ont décidé de passer par d'autres moyens pour attaquer le Niger. Ils veulent mettre la confusion. Des hommes en tenue militaire du Niger vont faire croire qu'ils sont militaires nigériens. Voilà, David Seri, tu te rappelles? Donc, si chacun se rappelle, il faut partager, n'oubliez pas. Je vois devant vos noms là, vous n'avez pas partagé, les David Seri et autres là. Vous n'avez pas partagé, Emmanuel Lafranc. Tu te rappelles Emmanuel Lafranc, mais tu n'as pas partagé, il faut partager. Voilà, Joël Koudou dit, il a ça sur sa page, cette vidéo là. Je vous le dis que ce qui est en train de se passer, quand le président Laurent Gbagbo dit que les coups d'État ne sont pas que militaires et que tous ceux qui veulent aller attaquer le Niger sont eux-mêmes des coups d'Étatistes, sont eux-mêmes des chefs de coups d'État, il ne dit pas faux. Et beaucoup ont dit oui, mais il dit, mais c'est devenu notre programme du gouvernement, c'est devenu notre programme politique. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas coup d'État dans son programme politique. C'est devenu programme politique parce que toute l'Afrique a connu coup d'État. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Voilà, tu viens de partager Emmanuel Lafranc. Je vois maintenant. Voilà. Quand vous ne partagez pas, Patrice Auré, tu ne partages pas. Donc, je vois que tu n'as pas partagé. Donc, vous, je parle là, vous ne partagez pas. Vous êtes là. Pourtant, je vous ai dit de partager. On était 2500 tout à l'heure. Donc, j'espère qu'il y a eu au moins minimum 2000 partages. Minimum. Si ce n'est pas quoi arriver, parce que là, je ne vois pas les partages là. Si ce n'est pas quoi arriver, il faut partager. Donc, vous voyez ces gens-là. Quand Assimi Goïta disait, Choguel Maïga disait que ils avaient des preuves. Voilà la preuve. Merci Estelle Mélès. Maintenant, tu as partagé. Voilà. Ils avaient des preuves là. Vous avez vu les preuves. Il ne faut pas s'amuser avec la vie des gens. Parce que moi, tu veux venir me tuer. Mais avant que j'aie mouru là, ce que je peux faire là, j'ai fait. Aïe. Tu veux me tuer. Ce que je peux faire, je vais faire. Je vais même pas m'amuser à ça. Ce que je peux faire là, je vais faire. On parle de mort. On parle de tuer quelqu'un. Ce n'est pas du jeu la mort de quelqu'un. Ce n'est pas du jeu. Donc vous voulez aller tomber sur les Nigériens et puis vous voulez qu'ils s'arrêtent et vous regardent. Les amis, je n'ai pas allé plus loin que ça. Je pense qu'il a été long. Je vais faire une autre vidéo, s'il en faut, pour qu'on puisse parler de tout ce qu'on peut parler. Voilà. Je voudrais vous dire merci. Je fais gros bisous à ma chérie depuis son boulot. Bon, je pense qu'elle a fini. Je lui fais gros bisous. En tout cas, je vous salue, vous tous. Merci d'être resté tout ce temps. Merci de partager. On va revenir. Je vous ai dit, le président Laurent Gbagbo a fait au moins 3 heures. Et chaque parole, chaque mot, chaque point qu'il a soulevé était important. Donc, on doit parler de ça. Ne vous inquiétez pas. J'espère que Facebook va pas encore m'embrouiller. Là, pour le moment, ça passe. Je voudrais vous dire merci. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Arthur Gogo, merci. Ah, toi, au moins, tu reconnais qu'il fait du bon boulot.
Il y en a qui ne reconnaissent pas ça, mais Dieu se le reconnaît. Parce qu'on est obligé de faire ce boulot-là. Parce que nous sommes en guerre d'information, nous sommes en guerre de communication. Il y a beaucoup qui sont en train de vouloir mentir au peuple. Il faut que nous, on sorte pour parler. Donc, je vous remercie. Ciao, ciao, ciao. On revient plus tard. Ciao.